Hello, hello! Allez, aujourd'hui, je vais faire un petit tour sur deux spots. Le premier, je suis venu ici il y a quelques jours sur les conseils d'un ami qui a trouvé de l'ail des ours. Donc, je suis venu, j'ai pas trouvé l'ail des ours, par contre, j'avais trouvé trois petits spots à Tricolomme de la Saint-Georges. Pas mal de frênes, un spot qui me paraît pas mal propice à la morue, j'en avais pas trouvé. Et puis surtout, j'ai oublié mon bâton, je ne sais plus trop où. Je vais certainement commencer par le dernier spot à Tricolome que j'avais rencontré. Et puis après, on ira faire un tour sur un gros spot avec Aïe des ours également. Donc voilà, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite! Voilà, donc je vous reprends ici, je suis sur le dernier spot à Tricolome que j'avais rencontré, donc il était en bordure de chemin. Il en reste deux qui étaient cachés, j'en ai laissé bien plus que ça, donc je pense que quelqu'un est venu. Et si j'ai laissé mon bâton ici, eh bien il a été récupéré. Donc je fais une croix sur le bâton, et puis ces deux petits Tricolome, je vais les laisser tranquillement grandir et se brûler. Allez, bah écoutez, je vais continuer ma farfouille. Je vous retrouve ici, hein, c'est vraiment un bois, un Tricolome. Il n'y a pas photo. Encore un petit spot. Ouais, il y en a qui continue par là. Ça continue par ici, il y a tout un cercle. Et ben on va sur une petite cueillette de tricot. Voilà, ça continue encore là-bas, je crois. Ça continue encore par ici, il me semble. D'avoir vu un petit chapeau dépassé sous une feuille. Et ben voilà, en fait c'est ici. En fait c'est continué ici. Petite ligne là encore. On va se continuer après. On continue là. Bon, ça fait le tour du frêne hein, qui est là. Alors, pas le strié, mais celui qui est derrière. Voilà. Bon, allez, cueillette. Ah là-bas, je vais regarder. Je voyais pas la tâche avec les feuilles qui cachaient. Donc ça fait bien assez un cercle qui fait tout le tour du frêne avec une fructification plus grande par endroit. Regardez, hop, encore ici. Joli spot. Allez, cueillette. Cette odeur de farine, vraiment.
comme ça, c'est vraiment les meilleurs. Donc là, j'hésite pas à ramasser, hein, c'est un gros spot. Le mycélium, il est là. Je vais évidemment en laisser. Allez. Voilà, je vous reprends ici. Donc je pense que le spot avec des ours, il est droit devant moi, tout en bas. Maintenant, ça descend. Là, il y a une... enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a un dénivelé intéressant, une pente de bien 20%. Donc je vais pas la descendre, ça va pas avoir à la remonter parce qu'elle est exposée nord, plein nord. Donc là c'est éventuellement une place à venir prospecter en fin de saison. Là, je vais juste voir là parce que là il semble qu'il y a un frêne. Voilà. Je regarde juste autour du frêne très rapidement. Ouais, bon. Je reviendrai par ici. En fin de saison. Allez, je vais aller plus côté sud, moi. Allez, je vous reprends. Voilà, bien voilà. La première. Belle première nourrie. Super jolie. Alors l'ail des ours, hein, et... ouais, ça c'est l'ail des ours, hein. A quand même commencé à coloniser pas mal par ici, donc ça c'est pas terrible pour la morue. J'avais déjà vu ça, hein, l'année dernière, ça a commencé à m'inquiéter déjà. Donc la première ici, on va voir s'il y en a d'autres. Allez, bon, j'aurais bien aimé la laisser, j'ai vu du monde, oh, des voitures se garer. Donc, je ne sais pas s'ils viennent cueillir de l'ail des ours ou s'ils sont à la recherche de morilles. Là, on est en bordure, en lisière. Du coup, cette morille-là, elle est quand même bien, bien visible. Je vais la prélever. S'il avait été un peu mieux masqué, je l'aurais laissé prendre quelques centimètres. Hop là. Voilà, belle petite maman. Allez, je continue. Eh bien écoutez, il y a quelques... allez, une dizaine de mètres de la première. La deuxième. Alors j'entends aussi, hein, les tronçonneuses. Bon, elles sont un peu loin. J'espère qu'ils viendront pas par là, mais j'ai vu quand même pas mal d'armes marquées. Hein. Donc je pense qu'ils viendront ici un jour. Et... un jour nettoyer. Alors celle-ci, pareil. Hein. Je vais la prélever. Trop visible. Allez. Cool, cool. Allez, encore une fois, à côté ou pas très loin. Pareil, 5-6 mètres de la précédente. Une belle petite ici. Et puis là-bas, il y a une patate. Voilà, il y a deux patates. Pardon, deux patates. Regardez ça. Une ici. Et une qui commence, une 3 qui commence à se faire grignoter. Bah d'ailleurs, elle s'est fait grignoter le pied.
ici et là. Donc elles sont bien en avance hein, par rapport à l'année dernière. Et il y en a une quatrième là-bas, une troisième, oui une quatrième, pas pour moi. Donc d'habitude, hein, moi je les ramasse fin avril, hein, celle-ci. Ouais, c'est bien. Bouffé aussi. Allez, encore une autre ici. Ils sont bouchés, hein, malheureusement. Bon, bah écoutez, on prélève. Hein. J'en avais trouvé trois l'année dernière, il me semble, juste là, à cet endroit précis. Le long de cette branche-là, il me semble. Il y en avait une qui était derrière aussi, qui était par ici. Mais là, il n'y en a pas. Allez, bon, je vous reprends ici avec un tout petit spot de Pésis Véné. Bon, je vais les laisser, vu que j'ai les morilles. On va les laisser ici, celles-là. Allez, je continue. C'est vraiment dommage que ce spot est si colonisé par l'ail des ours. Il y a vraiment des, bon, il y a des frênes morts, mais il y a encore des frênes sympas. C'est vraiment dommage. Allez, je continue. Allez, encore une autre belle Pésis Véné. Vraiment jolie celle-là. Allez, je vous retrouve sur un autre spot. Nous sommes le lendemain, hier, sur mon spot à l'ail des ours, à la pose casse-croûte, pardon. Je me suis rendu compte que j'avais un peu mal au dos. Du coup, j'ai arrêté de prospecter et je n'ai pas fait de rush de fin de vidéo. Du coup, là, je viens sur un autre spot, le spot sur lequel je suis venu il y a 2 ans. J'avais trouvé des morilles. L'année dernière, il n'y en avait pas. Et puis là, en fait, je me rends compte qu'il y a eu une mise à blanc. Assez phénoménal, donc ça peut être bon, hein. Et je vois qu'il y a de la Pésis Véné qui pousse. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas des morilles. Avec le stress, sait-on jamais. Allez, je vais farfouiller. Croise les doigts. Allez, encore. Encore tout un tas de Pésis. Donc au pire, si je ne trouve pas de morilles, je pourrais me faire une belle petite récolte de Pésis Véné. Ah, je le rappelle, hein, excellent, excellent comme cible aussi. Hein. Sous-estimé. Je pense de par son odeur d'eau de Javel, hein, ça doit repousser pas mal de gens, hein, c'était le cas pour moi. Si Maxime ne m'avait pas dit « Vas-y, teste, c'est bon », je pense qu'il serait resté sur sol une paire de fois, j'ai testé. Et effectivement, bon, c'est de la famille de la morille, donc c'est proche en termes de goût. On n'y est pas dessus, mais c'est bon. Allez, du coup, finalement, bon, j'ai fait un tour rapide de la zone, bon, très rapide en fait, j'ai fait que les lisières. Pas de morilles, hein, par contre, vraiment, des spots à Pésis Véné, hein, mais qui poussent de partout, partout, partout. Finalement, je vais pas en ramasser, je vais les laisser encore grandir. Pésis Véné. Hein.
je l'ai laissé grandir, je reviendrai sûrement dans la semaine. J'ai jamais vu autant de pésis veinés que ça. Et ça a été comme ça hein, tout le long, c'est une énorme mise à blanc. Moi je vais aller fouiller un peu dans le bois et puis sur d'autres spots à proximité où j'avais vu des frênes et éventuellement où j'avais pas trouvé de morilles, mais il y avait des frênes, pourquoi pas. Allez, je reprends. Ouais, bien écoutez, ça va être bien pour aujourd'hui. Pas de morilles. J'ai vu, fait un peu le tour de plusieurs frênes, plusieurs spots potentiels. Pas de morilles aux alentours. J'en ai profité pour ensemencer. Alors pour revenir sur le thème de l'ensemencement, hein, c'est juste de l'eau et de la morille broyée. Donc pas de sucre, rien du tout. Hein. L'idée, c'est vraiment de un peu d'imiter la nature, quoi. Au lieu que ce soit les animaux et le vent qui disséminent les spores, c'est moi avec l'eau, tout simplement. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la brillante, mesdames.